La grâce et la paix soient avec chacun et chacune d'entre vous. Soyez les bienvenus en ce dimanche matin ici, au temple de Saint-Pierre. Jésus-Christ a dit : là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Cette promesse se réalise à coup sûr, assemblée après assemblée. Alors nous voici, comme les disciples, réunis pour écouter la parole dans la communion de sa présence. Que son Saint-Esprit éveille nos cœurs et nos intelligences, afin qu'au cours de ce culte, nous recevions la certitude de l'amour de Dieu. Et nous invoquerons la présence de Dieu avec le psalmiste qui, au psaume 67, dit ceci : que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa présence, afin qu'on le connaisse sur la terre et qu'on connaisse son salut parmi les peuples. Tous les peuples te célèbrent, ô Dieu, les foules se réjouissent, car tu juges avec droiture et tu conduis quiconque sur cette terre. Amen. Je vous invite à chanter ce psaume. Nous le chanterons au numéro 35 sur la petite feuille que vous avez reçue, puisque maintenant nous pouvons à nouveau chanter. Et je propose que nous chantions ce cantique 35 dans les deux strophes en entier. Posa un jour à Jésus la question de savoir quel était le plus grand des commandements. Et selon l'évangéliste Marc, Jésus répondit : voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de vérité, fais-nous la grâce aujourd'hui de te rendre le culte en esprit et en vérité que tu demandes. Ensemble, dans une quête commune, nous t'appelons, nous te cherchons. Laisse-toi rencontrer par nous. Fais-nous sentir ta présence. Rends-toi sensible à nos cœurs. Accorde-nous ce que tu sais nous être nécessaire. Tu sais combien nous sommes faibles. Fortifie-nous. Quand nous nous sentons pécheurs et coupables, pardonne-nous. Quand nous souffrons, console-nous. Nous avons confiance en ton amour, ta puissance et ta promesse. Mais cependant, tu le sais, combien cette confiance peut être fluctuante. Nous ne sommes que des êtres humains. Alors augmente notre foi qui en a toujours besoin. Rends-la vivante et, si possible, intelligente. Et ne permets pas qu'ayant reçu un tel bienfait, nous nous laissions encore aller à l'abattement. Que nul ne sorte de ce temple sans avoir obtenu de ton esprit la certitude d'être par toi renouvelé et porté. Nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Recevons de la plume de l'apôtre Paul le bienfait du pardon de Dieu. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Et il ajoute un peu plus loin, Dieu a enfermé toute l'humanité dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Et je vous invite à confesser notre foi chrétienne. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui sont toutes les choses et par qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Esprit qui vient en aide à notre faiblesse. Amen.
La première lecture est tirée du livre du Deutéronome au chapitre 8. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'éprouver. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un père éduque son fils. Si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, eh bien, j'en atteste aujourd'hui, vous vous séparerez. Alors prends garde et souviens-toi de ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Ma seconde lecture, qui est plus spécialement celle sur laquelle je voulais réfléchir avec vous ce matin quelques instants, se trouve au chapitre 3 de l'évangile de Jean et concerne les rapports entre Jésus et Jean-Baptiste. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Il séjournait avec eux et il baptisait. De son côté, Jean baptisait à Énon, près de Salim. Parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, on s'y rendait pour être baptisé. Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et Dieu donne son esprit sans mesure. Et enfin, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3e, je voudrais vous rappeler cette admirable prière de l'apôtre qui en même temps nous servira aujourd'hui de prière d'illumination. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à présent à chanter. Nous chanterons les trois strophes du numéro 389. Dans les pays de culture chrétienne qui bordent la Méditerranée, la nuit de la Saint-Jean est une nuit particulière. C'est la nuit du solstice d'été, la plus courte de l'année, puisque la longueur des jours atteint son apogée. Et sur les places des villages, on allume de grands feux, par-dessus lesquels sautent les jeunes gens des environs. Il s'agit d'un rite immémorial lié à la célébration de la lumière, qu'on appelle la nuit de la Saint-Jean, à cause de la parole prononcée par Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette parole raconte la relation spéciale que les premiers chrétiens ont établie entre Jean-Baptiste et Jésus. Ils ont vu en Jean, vous le savez, le précurseur ou l'annonciateur. Une fois cette annonce faite,
son ministère s'achève. Il doit céder la place à Jésus, qui, lui, va croître en importance. L'évangéliste décrit le mouvement général de la révélation divine. Jean-Baptiste clôt la première séquence de la révélation. Il clôt les prophètes, il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus ouvre la seconde, celle du Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Du point de vue historique, Jean-Baptiste demeure un personnage difficile à cerner, sur lequel nous savons au fond peu de choses. Qui était-il vraiment ? On l'a rattaché aux Esséniens, vous savez, la fameuse communauté dite des manuscrits de la Mer Morte, dont il aurait été une sorte de dissident. On en a fait un ermite indépendant, pourquoi pas, une sorte de sadhu, un peu à la manière indienne, en marge de la société de son temps. Mais on n'est sûr de rien. D'où vient sa pratique du baptême, qui semble une nouveauté ? Est-ce une adaptation des bains rituels juifs ? Vient-il d'ailleurs ? Jésus avait-il réellement un lien de parenté avec Jean-Baptiste, comme le suggère l'évangéliste Luc ? La seule certitude, c'est qu'avant son ministère public, Jésus a été un proche de Jean-Baptiste et il a même certainement recruté certains disciples parmi ceux de Jean. Donc au départ, il faut se représenter deux écoles spirituelles. L'école de Jean et l'école de Jésus, issue de la première, mais prenant progressivement son autonomie. On s'est beaucoup interrogé sur les années inconnues qui ont précédé le ministère public de Jésus. La piste la plus plausible, c'est celle de Jean-Baptiste. Avant d'avoir des disciples, Jésus lui-même a été le disciple du Baptiste. Et je trouve que cette piste a de l'intérêt. Jésus n'a pas eu dès sa naissance, par prescience miraculeuse, la plénitude de ses moyens. Au contraire, il a dû prendre conscience de lui-même d'une manière progressive, en passant par un apprentissage, comme un disciple auprès de son maître. Nous pouvons écarter l'hypothèse naïve d'un Jésus surnaturel qui sait tout d'avance parce qu'il est de condition divine. Il faut prendre au sérieux ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu se soit, en quelque sorte, humanisé dans une parole humaine. Et cette relation entre le maître et le disciple, on le voit bien, elle s'est déroulée en trois temps. Il y a eu un temps d'éveil, un temps, disons, de rivalité ou de tension, et puis ensuite, un temps d'effacement pour Jean-Baptiste. D'abord, Jésus a laissé à Jean la place du maître, il lui a reconnu une autorité, il lui a même laissé le soin d'éveiller sa conscience, il a reçu de lui le baptême. Et puis ensuite, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il y a eu au moins entre les deux écoles une sorte de rivalité.
Mon passage laisse entrevoir ces tensions. Certains viennent se plaindre que Jésus lui-même baptise de son côté, sous-entendu sans autorisation. Ces tensions correspondent à un moment inévitable et délicat, qui est celui où le maître et le disciple doivent se séparer. Il vient un moment où le maître n'a plus rien à transmettre. Le disciple doit voler de ses propres ailes, et ça ne se fait pas aussi facilement que nous pourrions le croire. Et puis le troisième temps, c'est « il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est celui de l'effacement. C'est-à-dire, il faut qu'il me dépasse et qu'il aille plus haut que moi. C'est la conclusion du processus. Jésus doit aller plus loin parce que sa mission est plus haute que celle de celui qui l'a précédé et annoncé. Il doit faire fructifier ce qu'il a reçu de lui, mais en le surpassant. Et c'est ainsi que le maître se révèle être un maître authentique à partir du moment où il accepte de se retirer une fois sa mission accomplie. Et n'en doutons pas, cela a dû lui coûter certainement à titre personnel. On aboutit, n'est-ce pas, au paradoxe suivant, c'est que l'apprentissage spirituel, il est couronné par la disparition du maître. La noblesse de Jean-Baptiste, elle a consisté à consentir à sa propre diminution. Il se retire volontairement. Il a compris qu'aucun homme ne pouvait aller plus loin que la vocation qu'il avait reçue. Un homme, dit-il, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Son souci, c'est de ne pas s'occuper une place qui ne lui revient pas, la place de celui qui est plus grand que lui. Il nous donne donc déjà un exemple, l'exemple impressionnant de l'humilité spirituelle, l'humilité dans la vie spirituelle. Et tout de suite, je précise que l'humilité n'a rien à voir, mais rien du tout, avec l'humiliation et la culpabilité qui va avec cette dernière. C'est très différent. L'humilité, c'est une forme de respect devant l'invisible. Ce qui doit diminuer, c'est l'excès de « moi-je », l'excès de certitude, l'excès d'assurance, l'excès de savoir, l'excès de jugement, l'excès d'autorité, l'excès d'ambition, bref, tout ce que nous connaissons bien et tout ce qui ferme la porte au plus grand que soi. Alors on parvient au véritable fruit de l'humilité qui est l'apaisement personnel. Car on sent dans les paroles du Baptiste une grande paix. Il est apaisé en lui. Et voyez-vous, chaque fois que l'apaisement se fait en nous, c'est le signe indubitable de la présence active de Dieu. Jean-Baptiste sait où il est par rapport à Jésus. Et je dirais que c'est justement là que son destin nous fait signe. Nous-mêmes, savons-nous où est notre place par rapport au Christ, par rapport à Dieu, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans le monde? Ça vaut la peine de se poser cette question. Commençons par l'Église. Dans l'Église, eh bien déjà, veillons à essayer de ne pas occuper la place du Christ ou de Dieu, c'est-à-dire à vouloir tout contrôler, y compris peut-être la foi des gens, la foi des autres.
Alors vous me direz, oui, mais pour nous, réformés, c'est une évidence, parce que l'affirmation selon laquelle c'est Dieu seul qui gouverne l'Église par sa parole nous est familière, c'est une affirmation fondamentale des réformateurs. Oui, bien sûr, mais dans la réalité, les choses sont parfois un peu moins claires. Parce que les chrétiens, de manière récurrente, je pense que c'est un peu notre tentation à tous, eh bien, nous avons tendance à nous ériger en juges, n'est-ce pas ? Nous croyons pouvoir distinguer à coup sûr entre les justes et les injustes, entre les pécheurs et les saints, entre les bien-pensants et les mal-pensants, entre le bon grain et l'ivraie, etc. Au fond, je dirais d'une boutade que le politiquement correct, ça peut exister très bien aussi dans nos églises. Or, c'est Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs. Et ça n'est pas nous. Et d'ailleurs, il est une parabole dans laquelle notre Seigneur lui-même, placé devant cette énigme du bien et du mal qui sont parfois inextricablement mêlés, recommande qu'on fasse preuve d'humilité en laissant croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Après la place dans l'Église, il y a la place dans le monde. Car nous sommes aussi, bien sûr, du monde, avant tout. Et dans le monde, je crois que nous avons à montrer la place de Dieu, laquelle consiste en sa souveraineté sur toute chose. En effet, à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui ? Dans la société qui nous entoure. Une personnalité publique de premier plan a déclaré tout récemment « Rien ne peut être au-dessus de l'homme. » Ah ! Aujourd'hui, on voit se déployer une espèce d'horizontalité qui ne se réfère plus du tout à aucun principe supérieur, au point qu'on se demande pendant encore combien de temps resteront les paroles introductives de la Constitution fédérale par le Dieu Tout-Puissant. Beaucoup estiment qu'on n'a plus besoin de cette parole-là, vous connaissez ce débat. Et ça n'est pas un hasard. C'est le produit d'une longue déconstruction. Parce qu'enfin, à force de dévaluer tout ce qui constitue le christianisme, sa foi, son histoire, sa culture, sa sensibilité, on s'est privé de la verticalité de Dieu qui nous tirait vers le haut. Et on s'est enfermé dans une espèce d'ici-bas permanent. Rejeter l'idée de Dieu, c'est bien beau, mais il y a des conséquences. De fait, on s'interdit en quelque sorte la hauteur, la véritable grandeur. Au nom d'une liberté qu'on veut croire infinie, on voudrait modeler la société et la vie selon nos désirs, nos passions, nos frustrations, sans aucune contrainte. Quelle est la seule chose qui compte aujourd'hui ? Ce qu'on appelle l'émancipation individuelle. Ça, c'est le maître mot. L'émancipation individuelle, c'est-à-dire la possibilité pour l'individu de faire tout ce qu'il a envie de faire pour lui-même, quitte à faire table rase de tout, c'est-à-dire déjà de son histoire et de son passé, et aussi, bien sûr, de l'indispensable verticalité. L'émancipation individuelle, ça c'est le grand mot à la mode.
Je vais plus loin. Certaines puissances mondialisées de premier plan croient même pouvoir pallier l'absence de verticalité avec ce qu'ils appellent l'homme augmenté, dont ils font la promotion. Qu'est-ce donc que l'homme augmenté ? Eh bien, c'est un homme qui serait devenu capable de s'augmenter lui-même, d'augmenter sa puissance, ses pouvoirs, se changer grâce aux moyens de la technique et de l'intelligence artificielle. Si bien que, en quelque sorte, portant en lui-même sa propre augmentation, son propre détachement, rien ne peut être au-dessus de lui et surtout pas Dieu. Et ce que je dis là, ça n'est pas de la science-fiction. C'est maintenant, à travers toutes sortes de lois qui sont prises sur la bioéthique, sur un certain nombre de choses. Regardez ce qui se vote. Ça va absolument dans ce sens-là. Et ça établit cette société-là. Tout ceci n'est pas sans rappeler, évidemment, la parabole de la tour de Babel, que nous connaissons bien. Il s'agit d'une parabole qui dépeint une humanité qui veut se faire un nom, qui prend d'assaut le ciel pour occuper la place de Dieu. Occuper la place de Dieu. Et pourtant, cette place n'est pas la sienne. Alors voyez-vous, face à cette société qui prend cette direction-là, qui est réduite à l'horizontale, notre tâche d'hommes et de femmes de foi consiste à affirmer la valeur de ce qui est plus haut que nous. La verticalité de Dieu, la verticalité du Christ, devant laquelle on se prosterne dans l'humilité de la prière, comme l'apôtre dans la prière que j'ai lue tout à l'heure, « Je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Je fléchis le genou devant celui qui est beaucoup plus haut que nous, comme Jean-Baptiste a accepté de s'effacer devant celui qui devait croître. Cette verticalité-là, elle est à même, elle est peut-être seule à même, certainement seule à même, à élever la communauté humaine au-dessus d'elle-même, miraculeusement. Pourquoi ? Parce qu'elle est nourrissante. L'homme ne vivra pas de pain seulement. D'un côté, bien sûr, elle assigne à l'être humain des limites, les limites de la nature créée, celui qui est de la terre est de la terre. Et au fond, c'est très bien. Il est bon d'avoir des limites. Oui, nous sommes des mortels, mais ça n'est pas simplement une mauvaise nouvelle, c'est notre condition. Et les limites sont nécessaires. Si vous ne posez pas de limites à un enfant, il ne s'éduquera jamais. En même temps, de l'autre côté, cette verticalité nous alimente continuellement par une énergie qui vient d'en haut. Je relis l'Évangile, l'Esprit que Dieu donne sans mesure, comme jadis, il fit pleuvoir la manne sur la génération affamée du désert. Nous sommes de la terre, oui, et nous sommes connectés par la foi à ce qui nous dépasse infiniment. Par Dieu seul, par le Christ seul, nous pouvons être plus, comme disait le révérend père Teilhard de Chardin. Être plus, c'est le titre d'un de ses ouvrages. Être plus, par le Christ, par Dieu le Père. Mais en aucun cas par nous-mêmes, parce que nos ressources ne sont pas de la terre. Nos ressources sont du ciel, et nous les obtenons dans la foi. De telle sorte, et je conclurai là-dessus,
que chercher Dieu, ça consiste d'abord à lui reconnaître sa place en toute chose, au-dessus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit. Au moment où Genève s'apprête à recevoir les puissants de ce monde, nous te prions pour que tu répandes ta lumière sur tous les peuples de la terre, que tu veilles sur les hommes et les femmes qui les gouvernent, que tu bénisses les efforts qui tendent à la concorde. Protège le pays que tu nous as donné. Conduis nos autorités dans une voie juste. Inspire les responsables de nos églises et renouvelle notre vie à ton service. Fais reposer ta grâce sur nos familles,
unis tous les âges dans une même confiance en toi. Aie pitié de ceux qui traversent l'épreuve. Console les affligés, les malades du corps, de l'esprit ou de l'âme. Assiste ceux qui sont aux portes de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, les aigris, les révoltés, mais aussi les méprisés, les laissés pour compte. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Amen. Et je vous invite à chanter le troisième chant que nous chanterons les quatre strophes en entier, le 373. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. Et d'avance, soyez remerciés de votre don au profit de cette paroisse et de cette mission dans la haute ville de Genève. 373, louez le Seigneur au plus haut des cieux. Seule voix, faisons monter vers Dieu la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse
en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.